Salut à tous les amis, c'est One2. On se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la bêta du très très attendu Titanfall. Et vous allez pouvoir vérifier que bah, c'est loin d'être ce qu'on nous a vendu ou ce qu'on veut nous vendre. Hein. Mais bon, vous verrez bien. Donc la bêta est sortie le 14 février. Elle est disponible sur Xbox One en ouverte depuis aujourd'hui, et sinon elle est enfermée sur PC, il fallait choper des codes par Respawn Entertainment. Il y a quoi d'autre à vous dire? Elle est tout en anglais, hein, bien sûr. De toute façon, c'est une bêta, puis enfin pour du multi, il n'y a pas besoin d'être bilingue. Hein. Moi, je parle pas du tout anglais, je comprends, enfin, je bite rien à l'anglais, et ça va, on se démerde. On se démerde pas mal. Donc, vous allez pouvoir vérifier directement que graphiquement, c'est pas folichon. Je vais peut-être baisser le son de la télé parce que sinon vous allez rien entendre. Hop là. Ok. Allez, donc c'est parti. Donc, déjà, oui, graphiquement là, c'est du Call of Duty. Hein. C'est rien de plus. Pour moi, c'est du milieu de vie PS3, ça. On n'est pas sur. Enfin, PS3 ou Xbox d'ailleurs. Mais ouais, ça vaut pas. C'est pas de la next-gen. Hein. Après, je sais très bien que c'est une bêta, que c'est du multi, que c'est dur à gérer en multi, mais quand même quoi. Ah, là, on a un combat de bots. C'est magnifique. Magnifique. Voilà, le gros problème du jeu, c'est les bots. Ils sont débiles. La dernière fois, j'étais dans un bâtiment. Et il y a eu un combat de bots pendant 5 minutes face à moi. Ils se donnaient des coups de poing. Et c'est tout. Putain. Foiré. Donc voilà, alors mon titan il est où? Parce que c'est quand même la base du jeu, je vais essayer de vous faire voir ça. Alors bon, les boutons c'est les mêmes que Call of. C'est comme Call of Duty. Oh, j'en ai un. Ah, la grenade, parfait. Oui, c'est le même gameplay que Call of Duty. La seule différence c'est quand vous êtes dans le titan. D'ailleurs mon titan, est-ce que je peux l'appeler là ou pas? Non, putain, je sais plus comment. Je sais plus. Flèche du bas. Voilà. Hop, on va voir ça. C'est lui. Hop là. Donc pour entrer dans le titan, vous appuyez longtemps sur X. Hop. Voilà, c'est parti. Et les titans en fait sont pas. Je pensais que ça allait être cheaté à mort, mais ça l'est pas tant que ça. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah, je me suis éjecté. Donc il n'y a pas de dégâts de chute, hein, vous inquiétez pas. Hop. Enfin, je fais pas une trop mauvaise partie. C'est ma deuxième partie seulement. Hein. Ma deuxième ou troisième. Hein. Et la première m'avait assez déçu d'ailleurs. Là, celle-là se passe un peu mieux. Ils prennent bien leurs balles les ennemis, ça c'est. Ça fait du bien. Ça change des autres jeux. Alors oui, la différence dans le gameplay c'est les doubles sauts. Que vous pouvez faire. Vous pouvez vous. Qu'est-ce qui me fait lui? Vous accrocher au mur pour grimper plus haut. Bon, je me suis foiré comme par hasard, mais bon. Aïe. Ah, ils sont tous dans leur titan, c'est ça qui me gave en fait. Et allez, des bots. Il y a 3 ou 4 bots par équipe. Mais ils servent à rien. Ils suivent à la queue leu-leu. Ils vont combattre les autres bots généralement pour se faire un combat d'autistes. J'ai rien contre les autistes, hein, mais c'est clairement ça, quoi. Allez. Donc chaque soldat possède un lance-roquette anti. Allez, crève, toi. Anti-titan. Alors je vais le rappeler mon titan je pense. Eh bien la coco. Hop là merci. Ça je trouve ça kiffant. Ah putain il m'a eu. Alors le titan soit vous pouvez monter dedans. Donc normal le piloter. Soit vous pouvez le mettre en. Comment dire. Comme si c'était un bot quoi. Il vous suit, tue un peu les ennemis.
Il est où? C'est pas lui ici? Putain. Ah mais non, c'est le mien. Bah voilà, bah parfait. Il fait exactement ce que je disais. Ah, il s'est éjecté. Dégage. Envoie-moi ça, toi. Ah putain, il l'a eu. Donc voilà, mais ça, les titans s'obtiennent trop facilement. Beaucoup trop facilement. Vous tuez 4-5 bots, vous... Putain, il va me la mettre. Eh ouais, bien sûr qu'il me la met. D'accord, c'est pas lui, je l'avais pas vu, lui. Au top. Ouais, les titans s'obtiennent trop facilement et du coup, les joueurs campent pour obtenir leur titan. Et voilà quoi. Voilà, des bots à la con. Sert vraiment à rien. Dégage. Alors, sinon, il y a une seule map de disponible et il y a deux ou trois modes de jeu. Là, je suis en... C'est quoi? Attrition, je sais plus quoi. C'est un match à mort. Hein. Il y a de la domination et un combat de titan où tout le monde est en titan. Allez, allez, crève toi. Il va crever, oui. Ah bah ouais. Ah, l'arme cheatée du jeu. C'est un petit pistolet. Il lock l'ennemi et ça one shot à chaque fois. Ça je comprends pas. Hein. Je vois pas le délire des développeurs. Je vois vraiment pas leur délire là-dessus, mais bon. Qu'est-ce que je vous dis hein. On ne demande pas notre avis non plus. Ah là là, mais je joue mal. Alors on va voir les scores. Ah ça va, je me dis. Première partie, j'en avais tué deux ou trois, hein, donc ça va. Ça va, ça va. Alors maintenant, on a perdu et on peut se faire évacuer. C'est... Voilà, bah non, bah, je me ferai pas évacuer. Et quand vous mourrez, bah vous pouvez plus réapparaître. C'est ce qu'ils appellent l'épilogue. Ah si! Ah bah c'était juste avant l'épilogue. Donc là, faut qu'on aille se faire récupérer, rapatrier à la zone là-bas. Et l'ennemi peut encore venir nous tuer. Bah voilà. Oh, ce qu'il m'a mis! Mais il est sérieux lui? Bon bah voilà. Et bien sûr, donc il y a les killcams. Donc voilà quoi. Bon, c'est la seule partie que je vais vous faire parce que de toute manière il n'y a pas grand chose à dire. Il y a une seule map. Les autres modes de jeu m'intéressent pas trop. La domi, vous savez ce que c'est. Et le mode titan contre titan me plaît pas. Me plaît pas du tout. Mais bon. Donc voilà, bah, on va se laisser là-dessus. Le jeu sort au mois de mars juste. Sur Xbox One, 3.6 normalement. Et PC bien sûr. Et voilà quoi, c'est tout. Je finis à combien? J'ai tué 3 pilotes, 3... Non, 8 pilotes, 3 titans, je suis mort 7 fois. Ah non, je suis mort 8 fois. Bon, ça va. Et j'ai tué 7 bots. Enfin, les bots ne servent strictement à rien. Strictement à rien. C'est désespérant d'avoir fait ça. Donc bien sûr, la barre d'XP, le leveling pour débloquer. J'ai débloqué quoi? Un nouveau titan. Et ainsi de suite quoi. De toute façon c'est du Call of. Hein. Le gameplay est à la Call of. Les graphismes sont comme Call of. Donc voilà. Bon bah je vais vous laisser là-dessus. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de partager, de commenter. Et puis je vous fais des bisous. Puis on se retrouve une prochaine fois. Ciao, ciao tout le monde.